يلا خويا وازي الحفيان ايه بيينو سا مير. Ah ouais, là, ouais, là, ah ouais, la voiture, elle est incroyable comme ça, Roya. T'as vu? Non, là, la couleur, là, j'approuve, Voilà, merci, voilà. Non. Mais pourquoi t'es pieds nus? Ça, j'approuve pas. Non, attends. Roya, tu veux trop changer Kefta d'un coup, Roya. Ça met du temps, Kefta, il en avait que des choses, en avait. Tu vois, c'est Roya, attends. Hop là. Ah ouais, ouais, là, je te reconnais plus, là. Avec les chaussures? Rien qu'avec les chaussures, Roya, c'est bon. Ouais, je te reconnais plus, regarde. Normalement, c'est claquette chaussette, regarde. Attends, non, mais moi j'aime bien celle-là. Regarde, tu sais qu'il y a rien à voir, regarde. Chaussures blanches. Non, mais. Attends. J'arrive. Vas-y. Regarde, la journaliste, elle t'a contacté? Non, elle m'a pas contacté aujourd'hui, là. Mais elle m'avait contacté par mail, elle m'a dit. Ouais! Ce sera bien, toi! Mais j'ai pas. Mais. Ginette! C'est Gin, non? Oh, Ginette, Gin. Attends, je l'appelle. Ouais, Gin, ça va ou quoi? C'est Anas? La forme? Ça va? Ouais, je change le numéro, ouais, parce que j'avais les flics sur les côtes. Ça raconte quoi? Jure! Attends, mais c'est toi qui as contacté Mister Los Santos? Eh bah, figure-toi que c'est mon meilleur pote, il est à côté de moi! Eh ouais. Mister Los Santos, je vous êtes où? Bah écoute, ouais, là je finis un rendez-vous et après on s'attrape. C'est bon pour toi? Vas-y, salut. C'est bon, regarde, je t'ai organisé l'interview après le. Ah bah voilà, c'est bon. Hamid, vous êtes où? Regarde, tu nous as pas vu en attendant la voiture à l'entrée. On t'a vu passer en moto comme un fou. Ouais, merci les gars, je savais que t'as vu de YouTube. J'ai sorti ma voiture. Celle qui sort en direct, c'est devenu un site de rencontre. Comment ça? Nous on a l'entrée ou la sortie du doc, ça dépend. Comment ça? Dégage ta cam. Ouais, Enzo, t'inquiète. Et les gars, ce soir, ouverture de la Minos Families Corporation sur Euro Truck Simulator 2. Donc normalement, avec nous, il y aura un mec qui connaît bien le jeu. Qui connaît bien le jeu, qui va tout nous montrer, qui va tout nous expliquer. Roya, ils habitent dans une demeure, Roya, les Madrazo. Sérieux? C'est où, c'est où? Je sais pas, la Khrebga Fuente, ou je sais pas comment ça s'appelle. Fuente Khla, ou je sais pas. Ah là là là. Darbeda. La Fuente Khla de Chien, là. C'est ça. Oh là là. Attends, on vient te chercher, du coup, Hamid. Roya, je vais ouvrir une entreprise, c'est bon. Entreprise de quoi? Une entreprise de Euro Truck Simulator 2. Euro Truck, ça y est, Forza, c'est fini? Ouais, non, j'ai des projets, Roya, Kefta, c'est bon, il en a marre de tout seul. Ah ouais, je vais réussir à mettre Kefta dans le RP d'Euro Truck Simulator. Devant le post-op. Les gars, n'hésitez pas, les gars, il y a vos blasts qui vont sortir sur le RP de Kefta soon. Hein. Ah, mais. Quel je te comprends pas. Hamid, il est pas tout seul, il est pas un des fois. SD, ouais. Et je vois ça parce que bon, on vous attendait. Hein. Ah, désolé. Je vais être comme ça en train de jouer, je vais dire. Ah, il y a Hamza en ce moment, il assure. Ah, ouais, Roya. Là, il fait du bon boulot, Hamza. Ah, ouais. Ouais, dites-moi. Ouais, non. Je passerai dans la soirée, là, j'ai 2-3 rendez-vous et après, je pourrai me rendre disponible. Vas-y, on fait comme ça, nickel. À tout à l'heure. Les Aztecas, regarde. C'est qui le sous-chef? Y'a pas de sous-chef. Y'a un chef, y'a pas de sous-chef. Les gars, on se rejoint. Hamid, là, on. Y'a pas de sous-chef, frère. Y'a pas. Y'a pas. Donc là, ça va être effectif, il faut que je leur rende leur argent. Mizuka, merci beaucoup pour l'abonnement niveau 2. Je vais leur acheter une arme. Et il m'a demandé où est-ce qu'on se rejoint. Vous avez un truc stylé, Zama, on pourrait se rejoindre. Zama, un truc qui fait Zama beau gosse de fou, Zama. Tu fais badass, you know badass. Yeah, you know badass. Yeah, I know. Just a minute, I see my yeah, GPS. Yeah, no problem, man. You can see the GPS. GPS, not GPS. GPS. Yo, GPS. Le capitaine Nandel, ça va quoi? And Khasnindouz first at the banka. At the banka. To hold flus. Wafa Bank.
Tijani Wafa Bank ou la Banque Chiabé? Banque Chiabé, maïbé. Banque populaire du Maroc. Eh, ouais, de chlofer la banque, Sahri. Ah, commence pas l'Algérien, là. Tu sais comment ils disent le boucher, Khoya? Tu sais, au Maroc, nous on dit le gizzer. Ouais. Tu sais comment ils disent le boucher en Algérie? Ils disent comment? Le bouchi. Sérieux? Bah ouais, Khoya. C'est Khoya, ça c'est la France, c'est les restes, ça c'est les restes, Khoya. Non, vraiment? Bouchi. C'est comme ça que tu dis, Khoya? Ouais, je dis comme ça, le boucher. Ah ouais, le gizzer, y'a pas? Non, voilà, peut-être faudrait peut-être le demander à Attends, le coiffeur, vous dites comment le coiffeur? Tafaf! Hein? Tafaf! Merci, Mizokai, d'offrir un sub, merci à toi, BG! FF, Roya. C'est trop. Vous venez d'une autre planète, c'est pas possible. Je commence à plus comprendre. Non. Roya, le boucher! Le boucher! Comment vous dites un yaourt? Bonne question, voilà. Mal dans non. Non, du yaourt. Je sais pas, voilà, yaourt. Tu me racontes, voilà. Il a dit yaourt. Yaourt. Ouais, non, c'est le dingue. Hey, les gars, y'a pas de mots. Y'a pas de mots pour yaourt. Vous voyez une maison violette là? Une maison violette. Vers là, ouais. Là ouais. Non, j'en vois pas moi. Là, c'est vers. C'est pas la maison. C'est pas l'ancienne maison de Bob? Vers où on est, j'en ai pas. Vers où on est? Non, vers où on est. Là, je la vois juste là, moi. Attends. Je pense que c'est peut-être c'était la maison de Bob. Il est passé les clés, tu te rappelles? Ah bah si t'as les clés forcément oui c'est peut-être pour ça. Je pense que c'est peut-être ça. Mais pourquoi elle est violette? Ah vous dites comme nous alors. Même moi, ma maison est violette et tout. Hein. Alors les gars, vous avez pensé à une position Zama sympathique, sympa? Ça dépend. Il parle comme nous alors. Non, oh Mizoka. Merci beaucoup. Un endroit badass. Merci beaucoup. Ok. I know what you say. Yo Aminzer, juste ça va ou quoi BG? Merci à toi BG. Un petit foxhole avec la commune, ça serait le fait. Je connais pas du tout. Vous dites gzer en Algérie ou gzer? Non, ils disent gzer. Non. Ouais, moi, il y en a plein. J'entends sur Twitter, ils disent non, on dit el gzer. Gzer. Pourquoi? Pour le boucher. Bah ouais, en fait. Hamid, t'es sûr que t'es algérien? En fait, Hamid, t'es pas algérien. T'es une fraude fiscale, Roya. J'appelle. Bougez pas, voilà. Non, lui, il a été. On lui a fait un raid. Raid slash Algérie, c'est pas algérien. Attends, j'appelle mon père, c'est bon. Vous m'avez fané. Vas-y. Oh, t'appelles ton père, Froya, en 29 ans il t'a pas tué. Père. Ah ouais. T'as pas une idée toi qui fait d'un endroit badass? D'un quoi? Un endroit badass pour le rendez-vous avec le cartel. Ah c'est bon, j'ai eu la réponse. Avec le cartel, un endroit badass? Ouais. Zama badass dans quel sens? Badass, badass. Zama un truc stylé, classe, Zama un truc où on pèse. Ils ont peur, ils ont. Mais c'est eux qui sont censés nous faire peur, Froya. Ouais, mais justement, on va pas leur, faut pas leur montrer qu'on a peur, Khoya. Ah, ça c'est ici. Ouais, vous avez raison, hein, c'est quoi ça. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est derrière le cimetière? Khoya, l'université, tu as eu l'université, Khoya. Donc là, on va à l'école. Quoi? Vas-y, non, Khoya, derrière, il a mis derrière Oustara, l'université. Khoya, le compas ou le ma'allem, yallah, c'est parti. Yallah, c'est parti, le ma'allem. Ouais, vous avez raison, mon père m'a dit pareil. Hein. C'est quoi, Gizzar. Voilà, Gizzar, voilà. Bon, c'est bon. Vous avez d'autres mondes algériens que vous voulez savoir? Le yaourt, moi c'est le yaourt que je veux Comment savoir. Comment on dit ouais. Yaourt? Ok, j'appelle. Bah, au Maroc on dit le Danone. Nous c'est Danone, nous c'est la marque, parce qu'il n'y a pas de mot. Ouais, c'est comme. Bah, même en France, comme Kleenex, c'est une marque. Ils disaient pas ce Kleenex, c'est vrai. C'est rare, les gens qui se donnent moi un mouchoir, s'il te plaît. Oh, il a vraiment appelé son daron. Hein. Vous dites yaourt? Non. Comment vous dites? Attends, parce que je vois, il y a. Je vois ça met Portugal, toi, Portugal. Le monde, les Portugais, comment vous dites le boucher? Tobias. Les Portugais. Tobias. Ou qui que vous soyez italien, espagnol. Vous dites comment va, les frérots? Talo, ouais. C'est un boucher. Non mais mettez la langue les gars comme ça. De l'ancien QG, vas-y bouge pas, vas-y. Mettez la langue à la fin les gars s'il vous plaît. Mettez le mot et la langue à la fin parce que moi je suis perdu. Talo au Portugal. Hein j'enlève Talo, ça se dit comme je le dis. Tu sais en portugais vous... comment ils disent un boucher, Roya? Comment ils disent boucher les portugais? Talo. Allez, Tobias monte. Talo. Subhanallah. Ça va, les mecs, tranquille. Talo. Tranquille. Quoi? Tranquille. Enfin, moi, moi je le dis version japonais quoi, mais c'est Talo. Kefta, comment ça va? Ça va ou quoi, Roya? Mais Kefta, mais comment. Mais Kefta? Ah Roya, c'est bon, on est la mafia ouais, là ça, maintenant, regarde la voiture Roya, on est obligé d'être bien habillé avec cette voiture. Vas-y, merci.
César, oh là là, toujours les mêmes noms celui-là. Salade César. Hector, attends, il va s'appeler Hector. Hector, t'étais où hier? T'es pas là? Non, j'étais pas là, Roya. Ah, ok. Il était là, Roya, Roya, je vais ouvrir une entreprise hein, si vous voulez venir. Bien évidemment, je serai le patron. Eurotruck Simulator 2, c'est moi le patron. Roya, je vais pas te mentir. Hein. Non, c'est là, Roya. Une entreprise qui dit, les gars, si vous voulez rentrer, vas-y, je vous prends. Roya, c'est clairement une entreprise de merde. Moi, je te le dis. Comment ça, Roya? Normalement, c'est les gens qui viennent. Roya, s'il te plaît, prends-nous. Les gars, je veux l'entreprise, si vous voulez, je vous prends. Mais c'est le début, c'est normal, Roya, c'est le début. Je vais pas dire, les gars, j'ouvre une entreprise. Dog, n'hésitez pas à rejoindre l'entreprise. Et les gars, le slogan de l'entreprise, c'est travailler plus pour travailler plus. Travailler plus? Non, travailler plus. Travailler plus pour gagner de l'argent. Ouais, c'est pas un slogan, c'est une réalité ça, wesh. C'est une arnaque. C'est une arnaque. En face, t'as une maison. En face. Ah, oui, vous allez acheter une maison? Merci pour les 100 000, Zokai. Ironie, merci beaucoup pour les 100 000. Ironie, qu'est-ce qui fait le tour de l'Europe sur ETS? Ouais, mais de ouf. On verra si je vois qu'il y a du monde et que les gens ils s'investissent, les gars, on va s'investir aussi. Hein. Ça vous va ou pas? Bah, payez-les-vous, ouais, cher. Voilà, dealer! Là, c'est fucking badass, you know. Continue comme ça, je te vois, tu meurs. C'est gentil, les Okai, merci à toi, BG. Y'a où c'est Kelly? Si, merci. Yo, Minzer, ça va ou quoi, frérot? Petite question. Ah, Foxol, j'ai lu ça. Ouais, ici, c'est stylé, ici. Ouais, avec le petit jardin derrière. Hey, j'ai des bons bails ou pas, Kefta? Ouais, c'est bien. Appelle-moi. Keftatito, claro. Comment estás, Don Keftatito? Bien. Tu m'as manqué, Keftatito. T'étais passé où? J'avais peur que la concurrence t'ait fumé. Non. Je vais te dire quelque chose, hermano. C'est pas parce que les poules pondent des œufs que les œufs vont mourir. Vrai, mais il y en a beaucoup qui mangent les œufs qu'ils ont produits. Mais si les œufs sont mangés par les poules, ça veut dire que les poules ne sont pas des bonnes poules. Parce que si tu prends la poule avec le col. C'est pas les poules, mais c'est les prédateurs qui mangent les œufs. Ouais, ouais. 75.00. Tu connais. 75.00. Moi aussi, je vais manger. Ah oui, 75. Ah, c'est clair. Attends, est-ce que j'ai. Tes radios, 1, 2, 3. Et avoir Gilly, je commence à vous de la piscine, regarde. Les gars, ça? Ouais. On dirait, regarde, j'ai l'iche dans la piscine, comme au bled. Viens voir la décoration. Sérieux? Fais voir. J'ai l'iche, c'est le carrelage, les gars. Oh là, ça c'est. Mais qu'est-ce que mais... Ah, j'ai l'iche, ah ouais, ok. Mais oui. Ah ouais, moi je regardais en bas comme un con. Là, ils ont mis le gilet au mur, Ils ont mis le carrelage au mur. Oh, ça flingue. T'as vu? Au Congo aussi, y'a ça les murs là. Au Congo, y'a ça, ça flingue. Ouais, ça les murs. Ça va la traduction, les gars? Vous avez des murs au Congo, vas-y. Maintenant, quand un S ou je sais pas, va lâcher des mots, je vais essayer de vous traduire. Parce que j'ai oublié que. Il y avait pas forcément que des robeux sur les 2000 personnes à chaque fois. En arabe, on dit carrelage, mais non, arrête. Eh les gars, franchement, c'est fucking badass hein, quand même. Hein. De quoi? Lève. C'est quand même fucking badass, hein. C'est. En Algérie, on dit carrelage. Arrêtez. Ils voient, croyez, 4 arabes là, bizarre dans. Enfin, 3 arabes et un noir dans le jardin. Bilal, techniquement, il est pas arabe. C'est fucking Habs, hein. Hein? Non, moi, c'est Tobias. Ah oui, Tobias. Ça va, Tobias? Tu fais quoi là, ouais? Tu veux la bagarre? Vas-y. Oh, t'es vif! Vas-y! Ça, c'est pour ça, ça! Hey, tu joues au volant, quoi? Voilà, il fait des grosses droites! Là, tout de suite, là! Vas-y, tu veux la boca? Vas-y, fais la boca! Ça me fait tourner la tête, je vais vomir! On dirait la Parkinson, voilà! Ah ouais, j'avoue, ça tremble! Babanks! Mais là, du coup, c'est quoi le plan avec. Ah, ça klaxonne, ça klaxonne! En fait. Ouais, c'est quoi le bail? Je leur donne leur argent propre et ils me donnent une arme en fait. C'est une transaction classique. Ah, ok. Ouais. Et toi, Zahmet, t'es le comptable, ok? Vas-y. Ouais. Comment on dit comptable en. Consiglieri? C'est la mafia. Consigliero. Consiglieri. Ils sont là ou quoi? Comment on dit comptable en italien? Consiglieri. Ah putain, le consigliere. Non? Putain, comment on dit?
C'est pas vrai. Mais si, dans les films de mafia, il y a toujours un concierge. Personne, RS. Rien à cirer. Contablito. Consigliero, consigliero. T'es sûr? Je suis pas sûr de cette info. J'ai une question. C'est où pour écrire un message quand on se sub? Car j'ai jamais trouvé. Voilà, c'est non, Tomien. Une plage, un soupe, arme, moi. En fait, faut partager. En fait, quand il y a écrit partager, tu fais partager. Et après, t'as un truc pour mettre ton message. Sur téléphone, je sais pas si c'est pareil sur téléphone. Consiglieri. Bien vu. Ah ouais, mais toi t'as du mal aussi. Mais oui, César, ça va? Bonjour. Lola. Bonjour. Lola. Bonsoir. Ça va, du coup, je refais un petit peu de rotation. Du coup, Hamid sur ma droite. Voilà. Voilà. À côté de lui, Kefta, qui est aussi à la fois le comptable un petit peu de chez nous. Et encore à sa droite, Tobias, vous vous rappelez, fan des pancakes et compagnie. Voilà, le garde du corps, de la team, le cerveau, le. Voilà. Le bah, venez, César, je vous invite. Allez, venez. Dis-moi, César, tu es venu tout seul? Je suis tout seul là. Bonito. Welcome Tito. Très belle demeure, vous avez vraiment besoin de vie. Suivez-moi. On va dire que c'est la demeure là où les cœurs s'enjaillent. Et sachez une chose, il y a beaucoup de cœurs qui se sont enjaillés. Bon. Eh oui, César, sacré belle vue quand même, César, sur Los Santos. Je te dis, vous n'avez rien à nous envier. Non, mais toi qui voulais bâtir un empire, regarde, c'est une super vue, ça. C'est quoi ton prénom, César? Ton nom? César Valdez Madarzo. Ah, ok, c'est pas Hector. Non, c'est César. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que tous ces persos, ils s'appellent... Tous ces persos s'appellent Hector, normalement, tu vois. Là, donc ça, c'est pour toi. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu la marchandise que tu nous as ramenée, s'il te plaît? Du coup, t'as pas reçu le message que je t'ai envoyé? Ah non, j'ai pas eu... En fait, je t'avais demandé... Ah ok, un petit temps, c'est ça? Ok. Oui, un petit temps, tu... Ok, y'a pas de soucis. Bah écoute, dès que tu l'as, tu nous dis, puis on arrive quand on débarque. Non, Anas, en fait, ce que je t'expliquais, c'est que il fallait que tu... Nous, c'est comme ça qu'on procède. On a procédé comme ça avec les marabuntins. On récupère la somme entièrement et... D'accord, ok. Ok, j'ai jamais procédé comme ça, mais d'accord, ça marche. Donc le temps qu'on fasse les finances correctement, quoi. C'est ça, on est d'accord, hein. Exactement ça, parfait. Nickel. Ok. J'aime beaucoup, hein, Tobias, hein, j'aime beaucoup. Hein. Quand tu m'accueilles comme ça, c'est impeccable. On va dire que dans la famille, il y a des... Voilà, quoi. Voilà, des gros bras, ouais. Donc je suppose que c'est bon, tu t'es mis à la saison 1 de Narcos. C'est bon, il a commencé la saison 1. Bah encore, c'est un compte volé, hein, donc c'est pas un vrai compte, mais bon, vraiment, c'est un vrai compte. Non. Tobias, moi, je pensais que t'étais un homme d'affaires. Non, moi, je suis homme d'affaires, moi, je suis businessman, moi, je lance des billets. Moi, j'achète tout, moi. Je pense que t'as sur la tête. Non, jamais je vole le compte Netflix. C'est ça, j'avais une question. Comment ça se passe actuellement, tes relations avec la police? On a eu des débuts très houleux avec eux. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Très houleux, à mesure où ils mettent le paquet pour essayer de nous attraper. Et, beaucoup, ah oui. Beaucoup. Ok. Du coup, ils nous... Ouais, ils essayent de vous charger au maximum, quoi? Bah, disons que... Je m'attendais à ce qu'ils soient assez réceptifs à nos demandes, nos revendications sur certaines situations, mais ils ne le sont pas. Ils mettent le paquet, plusieurs hélicoptères, des hommes armés jusqu'aux dents. Moi, mon équipe, elle n'est pas encore prête à faire face à ce genre d'équipement. Ouais. Du coup, nous oblige à employer des méthodes dont on n'a pas forcément envie pour le moment. César, je ne vais pas te mentir, on va dire que les Madrazo ont une certaine éthique vis-à-vis de cette ville-là. Donc, je pense que vis-à-vis du passé, ils sont un petit peu réceptifs, on va dire. Bah fort heureusement, ils savent pas que c'est nous. Ah, et ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet, ouais. D'accord. Promotion Ramadan, regarde, c'est sans jamais, tu vois. Bon, après, on s'adapte. Hein. Moi, j'ai une éthique avec eux, j'ai eu deux, c'est que j'évite de liquider un pollo américain.
Moi, je sais que faire ça, c'est un peu comme l'affaire Kiki Kamarena. Tu regarderas. Ah oui, j'ai vu. Narcos, oh là là. C'est la merde. Oh, après, hein. Oh la boucherie. C'est la fin de son organisation. Ah, ça, j'avais une question. Ouais, non, je me rappelle. Ça spoil. J'avais une question. Parce qu'il m'a spoil. Vous êtes fan de chevaux, non? J'ai vu dans votre demeure, vous avez une écurie, etc. Oui, beaucoup de chevaux. On adore ça, ouais. On adore les chevaux. Là, nous avons trois. Vous avez trois fans devant vous. Moi, je suis pas fan, mais vous avez Kefta qui est Kefta Tito. Hamid, du coup, et Tobias, qu'on appelle aussi le Zeval dans le milieu. Oui, éducateur de Zeval à temps plein. Oui. Éducateur à cheval à temps plein. Et si jamais un jour vous avez besoin de quelques chevaux ou quoi, vous pouvez nous faire signe, on pourra vous livrer ça. Vous revendre des chevaux, oui. Intéressant. Vous avez que comme race. Tobias, vous avez que comme race. On a des gingembres, donc c'est une. Moi, j'ai le même que. Écoute. C'est Red Dead Redemption, le cheval arabe, là, le noir. Moi, je veux que le pur sang arabe. Voilà. Oui, on a des mines. Des Chevrolet, donc Chevrolet, c'est les meilleurs parce qu'ils ont un gros moteur au niveau des poumons. Ensuite, on a des tacos. Moi, j'appelle ça les tacos. C'est ceux qui ont. Ils ont 8 pattes, en fait. Ils ont 8 pattes, donc au lieu de 4, donc ça va plutôt vite, quoi. Et on a des chevaux aussi. À 8 pattes. Ford. Qu'est-ce qu'il raconte? Et je pense que c'est tout. C'est ce que je pense qu'on va se limiter au pur sang arabe, ce sera bien. Oui, voilà. Et les DZ, ça court vite. Après, c'est vous qui voyez, vous nous dites, on s'adapte à la commande. Ah, ça court très vite, les DZ, hein, quand il y a la police derrière. C'est vraiment les recordman de son métier. Ça veut dire quoi, DZ, hein? C'est une abréviation pour dire les. C'est des chevaux spéciaux, marseillais, on va dire. Ah ouais, ouais. Oui. Bah du coup, César, n'hésitez pas à nous dire et puis on pourra. C'est des purs sans marseillais. César, du coup, là juste après, on a un petit rendez-vous vite fait parce que vous savez que Kefta a gagné la compétition. C'est des purs sans marseillais. La compétition de Mister Los Santos, donc il est arrivé premier. Donc là, mais sans blague, hein, genre, il a assuré. Donc là, on a un petit interview organisé par le Weather News. Et après, on est disponible si vous voulez qu'on se donne rendez-vous, etc. Bah écoute, voilà ce que je te propose. Une fois que tu as terminé tes affaires et que tu es disponible, tu m'envoies un message. D'ici là, ta marchandise sera prête depuis un petit moment. On se donne un rendez-vous et tu l'auras. Ok, parfait. Bah écoute, César, je te raccompagne et merci d'être venu, tout simplement. Merci à vous, merci pour l'accueil. C'est pas le problème. Ça fait plaisir. N'hésite pas à passer à la case. Casa de Papello. Celle-là, c'est votre demeure permanente. Ah, on va dire que c'est la demeure que seuls les braves pourront franchir. Après, c'est notre troisième maison, quoi. On est plutôt. On était plus de 10, donc forcément, on a les moyens pour citer plusieurs demeures. Hein. Voilà, pas de problème par rapport à celle-là. T'es en claquette, Royan, quand je te parle de plus de 10. C'est une claquette louvée, toi, je vais pas le savoir. Louvée pont. Voilà. T'étais plus de 10. Bien mais évidemment, des... c'est pourquoi vous êtes à moins de 10? Nous sommes des quichetas, la quicheta qui touche le ciel, voilà, on ça marche avec des quiches. Voilà. Allez César, rentre bien, fais attention. Comme ça. Merci beaucoup pour l'accueil. Vas-y, César. Hasta luego. Bambino. Bambino, c'est italien, qu'est-ce que tu racontes? Bambino, ça veut dire quoi, Bambino? C'est italien, Bambino. Pourquoi il a fait le tour de sa voiture pour aller dans un... Je peux pas rentrer, je crois, non? Mais non, j'arrive pas! C'est trop serré? Attends. Ah oui! Mais. Ah, c'est bon, voilà, sinon t'embête pas. Ah, t'as surtout, lui! Hasta luego! Hasta luego! Hasta luego, hermano! C'est l'autre porte! Attends! L'autre porte, voilà. C'est bon! C'est bon! Allez, hermano! Allez, à tout à l'heure! Perfecto! Pourquoi vous faites les Italiens comme ça d'un coup là? Mais moi je suis concilié. Les gars, retour QG, on va prendre un autre véhicule pour Kefta, Mister Los Santos pour l'interview. Alors là, désolé, Roya, là on va sortir les gros moyens, Roya. C'est quoi le numéro de l'autre là? Numéro de l'autre? De Jean? L'intervieweuse? Mais je l'ai son numéro, elle. Je suis allé au Hub, j'avais son. Donne-lui. Je l'ai plus. Quoi? Tu lui as plus parlé. C'est ça, t'as couché avec elle, ça y est. Attends, je l'appelle. Le jour où elle m'a dit je t'aime, j'ai dit c'est bon. C'est bon. T'as dit quoi, je t'aime? Ouais. Elle est malade ou quoi, elle? Mais qui peut t'aimer, Roya? C'est bizarre. Il faut vraiment être fou dans la tête pour. Elle m'a dit je ne fais que penser à toi. Vraiment, comment je l'ai appelé? Les joueurs de Tekken. Vous reconnaissez ou pas? Ouais, mon cul, t'en rajoutes là quand même. Non, vraiment. Les joueurs de Tekken. On lui posera la question.
elle a changé de numéro ou quoi? Non, non. J'ai un numéro 2. C'est Jean, c'est bien ça? Ouais, c'est Jean Kazama. Kazama? Oui, c'est la. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est la, c'est la fille de Kazuya Mishima. Dis-lui là, on est prêt, on récupère un véhicule. Jean, on récupère un véhicule et après on arrive à l'interview. Avec Kefta, ouais. J'ai pas le bon numéro avec alors. Avec Kefta. Le grand Kefta. Oui, voilà. Le très grand Kefta. Les gars, vous êtes mes gardes de corps, je veux des costards noirs pour tout le monde. Ouais. Les gars, je pense qu'on va faire une interview de fou, les gars. Les gars, on fait une interview de fou. Non, mais écoute, je pense qu'on va faire une interview dans un avion. Ça va passer à la télé, les gars. Ça va passer à la télé. Dans un avion. Let's go, let's go. Voilà. Parce que Zama, il va dire oh là là. Après, toutes les meufs, elles vont venir. Ah, Kefta, t'es trop beau, d'un coup, c'est bizarre. Tu fais des interviews dans un avion, je t'aime. Est-ce que t'as eu des demandes d'oreille ou pas, Kefta, depuis? Yo, tabarnak. Ah, ça va, tabarnak. Ouais, ça va, tabarnak. Comment ça va, tabarnak? C'est Emily, non? Ça va. Ouais, c'est Emily. Ça va ou quoi? Emily, c'est bon, t'as fini tes braquages, la vente de drogue. Parce que là, je vais faire une interview. Ok. Tu veux être garde de corps ou pas? Tu veux être garde de corps? Ouais, ouais, puis j'ai une fille avec moi, une de mes amies. T'as une fille avec toi, ça tombe bien, Hamid, je cherche une meuf. Du coup, parfait. Parfait. Comment elle s'appelle comment ta pote? Non, c'est Tobias qui cherche une femme. C'est ma cousine Mia. C'est ta cousine Mia? Parfait. Elle est moitié mexicaine, moitié Texas. Vas-y, on vient les récupérer. Vas-y, on voit la pause, on vient vous récupérer. Ok, vas-y. Vas-y. Attends, elle s'appelle comment l'autre? Mia. Starfallah, ça sent les problèmes. Oh, les Mia, ça sent toujours les problèmes. Roya, avec un nom, tu dis ça, mais t'es grave, toi. Ah ouais, non, je le sens, Roya. Andy Nif. Non, moi, ce que je sens pas, c'est le mélange. Moitié mexicaine, moitié Texas. C'est impossible. Alors, impossible, Roya. Connaissant les Texans, Roya. C'est pas possible, Roya. C'est quoi ce mélange? Roya, c'est épicé quand même. Connaissant les Texans dans les films, moitié et tout, russe, et tout, moitié américain, pas trop, hein. Moitié Corée du Nord, moitié USA, quoi, genre, les pires mélanges. Les mélanges impossibles, Roya. Moitié américain, moitié cubain, Zama. Ça va? Je vais te donner un coup de feu. Là, moitié hamburger, moitié tacos, j'avoue, ça fait un mélange explosif. Parce qu'on est passé à côté de l'armurerie, c'est normal. Moi, j'entends des boum. Soy fuego, ay, mi aleque. Soy fuego, soy fuego. Soy fuego, mi corre, tu name. Arruego, sigo, me dumbete. Always saving, gorren, tu pai. Oh, c'est la corrida ou c'est un concert? Tu fais le scoop, ça? Mi always saving, soy fuego. Il a fait de vomir. Oh, allez. Donc, je pouvais pas sortir le véhicule d'ici tout à l'heure. Parce que t'avais pas les clés, je pense. Ouais, ici, ouais. Oh, mais le garage juste à côté, je les ai. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de la limousine de Kefta. Voilà, s'il vous plaît. Ça pète. Allez, montez. Attends. Par contre, faudra les soulever, les deux meufs. Enfin, du coup, même les trois, il y en a une de coffre et deux sur vous. Attends, Roya. Quoi? Voilà, j'ai même pas son numéro à la main. 428-326, attends. Non, mais c'est elle qui doit t'envoyer la position. Oui, mais je dois lui envoyer un message puisqu'elle m'a pas envoyé. J'ai dit combien? 428? Après, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas son numéro, moi. T'as bien s'il l'a. Je vois, t'as mis un turbo sur la voiture. C'est ça? T'as Bernac? La base, hein. Ouais, ah, la base. Eh, faudra qu'on ouvre la porte à Kefta, comme ça, ça fait un mode badass. Bah oui. Yeah, badass, man. Ça fait stylé. Faut que j'appelle qui? Emily, là, pour lui dire où est-ce qu'elle est, on va la récupérer. C'est moi, je lui envoie un message, attends. Emily, jolie! Vas-y, t'appelles. C'est moi, je l'appelle. Ouais, allô. Taberna à côté. J'arrive, je t'envoie une pause là. Je sors dehors, je t'envoie une pause. Vas-y, parce que là on arrive là. Je suis sûr qu'elle est à la CRS 24-7. Vas-y. Elle a dit, elle sort dehors, elle envoie une pause. Elle est où? De quoi? Ah!
Ah, c'est normal, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Ah ouais, non, je sais pas. J'avais mis la ceinture pourtant, non. Ouais, d'accord, après, t'as c'est une limousine, pas besoin de sortir, hein. T'as sauté pieds joints, quoi. Hamid, regarde-moi, Hamid. Viens, on fait Zama champagne. Ouais. Mais attends, mais voilà, voilà, Hamid, il parle à une meuf encore. Je sais pas, elle va m'envoyer la pause là. Elle sait pas où est-ce qu'elle est. Mais non, elle m'a dit, je sors, je t'envoie la pause. Ouais, mais. Ça se trouve, elle va nous soulever. Tobias, demande lui où est-ce qu'elle est à peu près pour qu'on s'y. Vas-y. Prendre... C'est qui cette tabarnak, hein. Ouais, ouais. C'est quoi, c'est mis quoi de son numéro, le prénom. Chelsea. T'allais le mettre. Jean. Ah, je l'ai pas, je l'ai pas mise. Mais pourquoi il fait un doigt, lui. Thierry, Dino. Mais. Mathieu. De quoi, faut appeler qui. Faut appeler qui. La canadienne. Ah, okay. j'ai retrouvé le numéro de Jean. J'ai retrouvé le numéro de Jean si besoin. Ah, ouais, c'est quoi ce numéro à elle. C'est quoi ce numéro. 25, 29, 29. Ah, c'est Indy. Réparation. Ah, c'est bon, j'ai Indy, c'est bon. Je veux dire, allô, elle est où. Indy. Allô, Indy. Allô, Jean Kazama. Pourquoi ah, non, t'es où. Kefta, t'as envoyé la pause, elle a dit. Non, j'ai rien reçu, Roya. Elle a rien reçu, t'es où, madame. Dis-nous. Non, c'est pas ça, tu vois. Madame, Colise, là, t'es où, là. Quand t'as barnac, madame. Madame, non. Pardon, venez-nous, là. Ah, c'est pour ça que j'avais pas le bon. Vinewood, elle est encore en train de vendre. On est... Vas-y, on prend la pause, madame. Non, mais. Oh là là. Elle est difficile. Elle a la tête dure, hein, ça. Tu sais, Hamid. Il voulait te dire quelque chose, Hamid. Oui, je t'écoute. Tu vois cette ville. Don Castatito. Bientôt, elle va appartenir à Mister Los Santos. Toutes ces ruelles. Ah, putain. Je vois des trucs bizarres, hein. Ça va vous? Ouais, ça va et toi? Ça va? Ouais, ouais, et toi? Voilà. Ouais, t'as vu, Roya? Bah, mais non, mais toi, tu vas t'interviewer, Roya, c'est pas toi qui pilote. Ah, mais elle est où, l'intervieweuse? Eh bah, elle va arriver, Roya. Elle arrive là? T'as envoyé la pause, Hamid? Ah, c'est bon, j'ai envoyé. Ok, parfait. Appelle-la directement pour voir si elle répond. La place du mur. Bon, ça va les rappeuses ou quoi? Comme ça, je décolle dans la vidéo. Moi, je rappe pas. Hein. Toi, ça va, frérot? C'est bon. On est là, c'est la zone, frère. On est là, ça bébé dans le palier. Tu vois ce que je veux dire? Propre. On est là, hein. Il est, on se représente le. Représente la hood. C'est ça, on est comme ça. Descends, s'il te plaît, faut que je te parle vite fait. Vas-y. Qui va conduire l'avion, là? Je sais pas. Ah oui. On serait pas, on est un peu inquiète. Non, c'est un pilote professionnel. Son père est piloté des coccinelles et sa mère elle était brancardière. Normalement, il va gérer l'avion, c'est banal pour eux. OK. Ouais, normalement ça va aller tout seul. Yes. Mia, t'es où? C'est quoi ton numéro? De quoi? T'as des quoi? Tapez la poste. Vas-y, dis-moi ton numéro, Mia. Attends. Dis-moi ton numéro. Ouais, viens voir. 14-77-80. Attends. Oh. Tu vois, j'ai mon pote Tobias, il est en galère. Il galère de fou pour trouver une meuf. En plus, c'est un mec trop gentil. Genre, tu lui dis, va m'acheter des fraises Tagada, il y va. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il cherche une meuf, là. Et la meuf, là-bas, elle est célibataire ou pas? Je sais pas. Mais toi, t'es célibataire? Mais moi, je suis marié à la rue. T'es malade, je suis marié à Hayat, moi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Hayat, c'est la femme de ma vie. C'est une coccinelle. Ouais. Mais elle est célibataire ou pas pour Tobias? Ouais, je pense que oui. Il y a moyen que tu leur arranges un coup. Zama, tu dis, mais il est trop mignon, t'as bien, c'est tout. Ouais, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes passions? Ouais, mais discret, tu vois. Mais c'est ma cousine, hein, t'inquiète, je plein de. Ouais, voilà, tu lui dis, oh là là, Tobias, il est trop mignon et tout. Et après, genre, ils vont se mettre. Parce que Tobias, il a jamais eu de meuf de sa vie. Patron. La seule meuf qu'il a eue, c'est. Bah, qu'elle en a pas eu. Et du coup, là, il galère. Ben là, pauvre lui. Hein? Ok, pas de problème. Vous voulez quelque chose à voir, madame? Ouais, il galère de fou là, le pauvre. Il me fait de la peine. Très bien. Écoute, je lui dirai, hein.
J'ai pas envie. Vas-y, discret. Amène-lui un Sweeps. Des pancakes aussi. Avec des pancakes avec un Sweeps. Ça passe très bien, full bien. Anas, je répète, le colibri est dans le kérosel. Hein? Le colibri est dans le kérosel. Le nénuphar a été posé sur le lac des cygnes. Je cours beaucoup. Moi aussi, ça m'arrive de courir quand il y a la pollution. Le chantier a mis à pied les employés. Le ballon est crevé à cause des orties. Voilà. Les orties se cachent pour vomir. Les orties se cachent pour vomir. La grand-mère a été enfermée dans le débarras. Le débarras a été débarrassé. C'est pour vous. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grand-mère techniquement. Elle est où, Jean? C'est pour vous, madame. Vous m'avez demandé à ce Hamid, elle est où ta meuf? Elle arrive. Il m'a un accent. T'as vu, non, t'as besoin de quelque chose, pas de l'autre. T'as vu, il est tombé dans le piège, il a dit elle arrive, donc ça. Non, il a dit elle arrive. Ouais, mais ça veut dire il a toujours des sentiments. À côté, patron. Ah, tu l'aimes encore, Jin Kazama? Mais non, mais t'es un malade ou quoi? C'est elle qui est tombée amoureuse, moi je l'ai fou, je l'ai. Elle est tombée, ça fait un bleu, quoi. Tu lui poseras la question, elle avait sa déclaration, il y avait même Prince qui était dans le coffre. D'accord. Ah ouais, c'est un problème de confiance alors. Si Prince était dans le coffre. Ah ouais, bah si Prince était dans le coffre, on a confiance. Prince ne me croyait pas et il était dans le coffre. Parce que c'est le Donkey Kong, you know. Donkey Kong is like the big boss. Là, j'aurais voulu se moquer d'aller. Elle veut s'arranger un coup pour elle avec toi et tu lui dis d'aller arranger pour Tobias. T'es fou, Kefta, c'est pas Bachir, wesh, jamais de la vie. Le bitcoin, c'est l'argent. La crypto-monnaie, ah, Kefta, c'est pas Bachir, ouais, j'étais un ouf, toi, quoi. Kefta, il a dit, Hayat, bon bar, laisse-moi. Très engagé. Vas-y, essaye au moins. Non, t'es fou, toi. Kefta, Kefta, c'est Kefta. Kefta, c'est. Faut pas qu'il va l'avoir à l'usure. Du monde, lui, son style vestimentaire, c'est quoi? Ok. Ton style vestimentaire, c'est plutôt à poil. C'est ça son problème. C'est plutôt comment? Classique. Et là, il pousse, hein, faut pas dire. D'accord. Comme ça. Mais il abuse, là, il abuse là. J'adore tout ce qui est classique. Moi-même, je suis fan de cinéma classique. J'adore tout ce qui est classique. Moi-même, j'aime bien tout ce qui est cinéma classique. On dirait qu'il a répété. Il a révisé la phrase. J'ai plus d'aspi. T'inquiète. On attend sa réponse. Attends sa réponse. Okay. Moi-même, je suis plutôt cinéma classique, madame. J'aime bien tout ce qui est classique, oui, voilà. C'est quoi ton film préféré? Quel genre de film? C'est quoi ton film préféré, toi, madame? Oh. Ton style de film préféré. Rapide et dangereux, dis-lui. Plus colombiana, je sais pas si... Rapide et dangereux. Exactement. Ah oui, j'aime le danger. Blanche-Neige et les 7 mains. C'est claqué, Blanche-Neige. Dis-lui à Anas, tiens. Oh, dis-lui Blanche-Neige et les 7 mains. Les 7 mains. Oui, alors, Émilie, je t'entends quand même. Parle doucement, les flèches. Elle est trop belle. Blanche-Neige et les 7 mains. Ils sont là. Ah, c'est bon, ils sont là. Tout le monde là. Ah ouais, c'est bon, il y a la place. Il y a combien de places dans l'avion? Je crois qu'il y en a 8, attends, je fais la des Hummer pour les photos. Bah, s'il y en a 8, il y a pas de place, oui. Ah merde. Non, tranquille. C'est des journalistes. Bonsoir. Jean, ça va ou quoi? Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, vous êtes tous beaux là. Ouais, Hamid, comment il est beau, gosse! C'est vrai qu'il est. Toutes les meufs, elle lui court après, lui. Il dit moi j'ai toujours quelqu'un en tête et tout. Il a une endurance de bâtard. Ouais. Il a une endurance de fou. Ah bon? Okay. Ouais. Bon alors, monsieur Boutiketa. Ouais, c'est moi, c'est moi. Nous avons un avion derrière à destination. Mais je sais pas s'il y a de la place pour tout le monde, du coup, ça va être compliqué. Ouais. Alors moi, il faut juste un caméraman avec moi ou quelqu'un qui prend la prise de son. Nous, on a un cheval, ça suffit, Tobias. Tu sais comment ça passe, le montage et tout. Oui. Alors dans ce cas-là, montage, mais du coup, on va la plaque. Bon, déjà, on va essayer de tous monter dans l'avion, puis on verra qui reste. Pierre, feuille, ciseaux, tout ça. Allons-y, mon cher. Mais moi, faut que je sois face à la journaliste, hein, les gars. Ouais, t'inquiète. C'est le bit. Vas-y, monte derrière, comme ça. C'est bon, je suis derrière.
Attends, mais il y a quelqu'un. Bah c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, là-dedans, bon, là-dedans, bon. Là-dedans, face. Ah, nickel. Par contre, je vois votre queue là. Ah, ouais, bah, c'est comme ça. Elle est belle, hein. Je peux rien y faire, les gars, tant pis. Regarde dans les yeux, voilà, comme ça, c'est voilà, là, voilà, dans les yeux. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais attends, on roule d'abord, non, Zama. Vas-y, qui va conduire l'hélicoptère, s'il vous plaît. Filmez l'avion qui démarre, s'il vous plaît, c'est possible. Saltimbanque, allez, avance. Oui, alors, vous avez passé une bonne journée, hein, c'est une journée fabuleuse. Bonne journée, tout à fait. Ouais. Ah, ça passe pas, ça passe pas. Mais qui a mis un mur devant la piste, voilà. Comment? Vous êtes prêts? C'était moi pour la photo. Oui, je suis prêt, éventuellement, pour cette interview. Alors, je vais vous demander de vous présenter en premier, monsieur... Bonjour, alors moi, je m'appelle Mouloud Kefta. Je suis né le 10-11-1999. J'ai actuellement 22 ans. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le bricolage, l'agriculture et l'apiculture. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est si l'interview elle sera payée, déjà, pour commencer. les frais de transport, quand même. Les frais de transport aussi, les frais de transport, quand même, c'est pas n'importe quoi. Okay. Il y a des flics à gauche. Et donc, aussi, voilà, quoi, je me présente, je suis aujourd'hui Mister Los Santos. On peut dire que, voilà, la beauté en moi, c'est génétique. J'ai pas fait exprès. Excusez-moi de vous couper. Oui. Ici pilote Tobias de ligne Sedati, Sedati, nous allons bientôt décoller. Mettez vos ceintures de sécurité et les lumières pendant 5 secondes. Je vous dis quand vous pouvez réanimer. Vas-y. Pourquoi de vous? Vas-y. Alors, ça décolle. Donc, j'ai pas fini. Donc, je suis actuellement à la tête d'une entreprise de camions donc, qui gère le transport international dans l'Europe. C'est le début, c'est le début. Et puis voilà quoi. D'accord. Comment êtes-vous arrivé à Los Santos, monsieur? Je suis arrivé à Los Santos en avion. Ok, mais encore. En fait, j'avais Hayat à me casser les couilles. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit rêve américain, living the dream, Los Santos. Tobias, c'est fait exprès, c'était pour l'interview. Roya, les turbulences, Roya. Ouais. C'est des turbulences, là. C'est bon. Ok. Donc, voilà, quoi, Hayat, et du coup, avec Hayat, on s'est remis ensemble, voilà, parce que j'ai quand même 8 enfants avec elle. 8? Ouais, vous allez me dire, à 22 ans, ben, j'ai eu... 8 ans, 22 ans, 8 enfants, 22 ans. Wouah. T'es commencé à 14 piges, hello, hein. Ouais. Wouah. Ah, ok. À la suite, hein. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Non, mais j'ai eu plein de jumeaux, c'est pour ça. Comment? Oui. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Alors, actuellement, comme je vous ai dit, je suis braqueur de oui. banque, de fléca, je touche à ce qui est dans l'apiculture, la bijouterie aussi, les flécas. J'ai ouvert aussi une deuxième entreprise après l'entreprise de camion qui est Uber Otage. Donc en gros, si vous avez besoin d'otage, vous dites salam, kifta, ça va, voilà. Moi je vous réponds comme un bonhomme, ouais ça va. Et après ouais, il me faudra 3 otages pour minuit 55. Hop, je vais parking central, tac tac, il y a toujours du monde. Tac, et puis c'est bon quoi, voilà, c'est les otages. Et puis deuxième futur proche, je vais me remarier, après je sais pas. Jure? D'accord. Ouais, j'ai le droit à 3. Donc là, attends. T'es en train de dire que l'homme le plus beau de Los Santos est célibataire? Incroyable! Mister Lucien Don! Non, il est pas célibataire, il veut une deuxième femme! Donne tes réseaux! Alors, mes réseaux sociaux, c'est Kefta la menace sur Twitter. Sur YouTube, vous pouvez me trouver au nom de Kefta El Bandito. C'est là où je mets tous mes braquages, tous mes trucs. Après, bientôt, je vais offrir, je vais ouvrir un YouTube beauté pour tous les mecs qui sont moches.
Le Parce que... aussi, dites-lui. C'est exactement ma deuxième question. Comment entretenez-vous de votre beauté? Avez-vous des secrets à partager? Oh, bah on va dire que c'est un secret qui m'a été transmis de mère en père. si, voilà, c'est pas quelque chose. Si pas, tu te lèves le matin, tac, je vais devenir beau. Moi, j'ai toujours été beau, vous voyez. Moi, j'ai envie de dire que à partir du moment où la beauté fait partie de moi-même, j'ai envie de dire autant qu'elle fasse sa place dans notre monde, autant partager cette beauté. J'ai été courtisé par de nombreuses femmes. D'accord. De stars, des Louboutins. Oui, les femmes, c'est des femmes en Louboutin, des femmes des femmes. Voilà des femmes quoi, je parle pas de femmes au unicorn là, je parle des femmes, tu vois. Et puis voilà, après si vous voulez, j'ai un OnlyFans. Qui s'appelle Molo de Kefta, le plus BG de Los Santos, t'es jaloux, okay. Y'a quoi et puis voilà quoi, et puis voilà, mais j'ai envie de vous dire que cette beauté, je l'entretiens grâce à ma force et à ma prouesse technique, face à la beauté voilà quoi. Très bien. Donc du coup vous m'avez parlé d'une compagne c'est normal. La vitesse est monsieur c'est normal ça. C'est normal, c'est normal, oui. Normalement c'est pas trop normal hein. Ah. OK. Comment est la vie depuis votre nomination en tant que Anas, je te laisse raconter, Roya. Non, mais parce que j'ai déjà raconté à mon pote. Je te laisse raconter. Alors, là, je le laisse en impro. En vélo, Picala, comme on dit au bled, Picala, taxi cuir. Et après, on a investi direct. Vous avez vu, limousine de luxe, avion. Donc, rien que les moyens de locomotion, j'ai envie de dire, on est passé de BMW à BMW. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà. Puis après, on a réussi à s'entourer de gardes du corps, des femmes. Vous avez bien vu derrière. Des femmes, les femmes sautent dessus quoi, il a failli. D'ailleurs agent NS, pouvez-vous lui parler de la musique qui a été faite à mon effigie? Bien sûr. Alors je ne parlerai pas de la musique Mouloud Kefta, mais plutôt celle de Fock les Roses. Ah oui, c'est un message. C'est un ami à moi d'ailleurs. C'est un ami à... Tiens, vous voudrez avoir son numéro. Je peux avoir son numéro de téléphone? Ce serait pour le remercier. Attendez, c'est ma secrétaire qui m'appelle. Oui, allô, secrétaire, vous l'avez marqué. Attendez, je crois m'appelle, c'est une femme. Ah. Allô. Ah bah ça raccroche. Non, c'est rien, t'inquiète. Donc voilà quoi. Monsieur Kefta, vous m'entendez? Oui, je vous entends, et vous? Allô. Monsieur Kefta. Allô.